Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 35e épisode. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement l'outil pour les webmasters de Google. Je vous en avais déjà parlé. C'est un outil qui est mis à disposition gratuitement par Google pour les créateurs de sites internet afin de vérifier leur indexation dans le moteur de recherche Google. Donc concrètement, on y accède en recherchant outils pour les webmasters ou bien webmaster tools en anglais sur Google. La première fois qu'on y accède, donc bien sûr il faut un compte Google, donc gratuit. La première fois qu'on y accède, il faut rajouter un site en cliquant ajouter un site ici et en indiquant l'URL de son site internet. Et là, il va falloir valider le fait qu'on est bien le possesseur de ce site-là. Il y a plusieurs méthodes pour faire cette validation. Moi, celle que j'ai retenue, c'est celle que j'ai expliquée dans l'épisode numéro 2, c'est la modification des entrées DNS. Il y a d'autres manières, par exemple en rajoutant une balise méta dans son code source. Voilà, c'est bien expliqué sur le centre d'aide de Google. Je vous laisse regarder ça. Ensuite, on a la liste de nos sites. Et quand on va cliquer sur le site, voilà, on accède aux informations. Donc ça met un peu de temps avant d'être mis à jour, c'est pour ça que je vous avais pas présenté ça plus tôt. Je me suis servi de cet outil pour arriver plus rapidement dans les recherches Google, donc pour être indexé plus rapidement pour que le moteur, pour que le robot Googlebot vienne indexer rapidement les pages du site internet. Maintenant je commence à voir les premières données. Voilà le tableau de bord, c'est la première page qui va nous indiquer les principales informations. Et ensuite, on a les messages qui concernent des nouvelles informations sur l'indexation de ce site. Ensuite, dans la configuration, on a les sitemaps. Je vous avais déjà parlé de ça dans une précédente vidéo. Donc c'est ici qu'on va pouvoir envoyer des sitemaps, donc des URL à indexer à Google. Ces URL-là vont être visitées plus tard. Donc moi, ça a été 2 jours plus tard par le robot d'indexation Google. Ça nous indique le nombre d'URL contenues dans chaque fichier sitemap et les URL indexées. On peut voir quel est le ratio d'URL indexées. Faut savoir que c'est pas instantané. Ça prend un petit peu de temps avant que Google indexe toutes les pages. Donc ensuite, la deuxième section, c'est l'accès du robot d'exploration, donc c'est le fichier robots.txt. Ici, ça nous montre si ça a bien été, si ce fichier-là a bien été récupéré par Google. Sinon, on peut en générer un, etc. Donc, ce fichier-là, il indique au robot d'indexation quelles sont les parties du site qui peuvent être indexés et quelles sont celles qui n'ont pas le droit d'être visitées par les robots. Ensuite, lien de site, eh bien c'est une nouvelle fonctionnalité qui est mise en place par Google. C'est ce qu'on retrouve dans les résultats de recherche en dessous d'un site. On peut avoir accès direct à différentes parties, différentes sections de ce site. Là, c'est Google qui le génère automatiquement. Donc là, dans mon cas, pour postal-code.fr, il n'a pas encore repéré différentes pages. Je ne sais pas s'il le fera un jour. Mais en gros, c'est cette partie-là. Je sais pas, comme j'ai pas encore de données, je ne sais pas si on peut modifier ça. D'après ce que j'ai lu sur les forums, c'est vraiment quelque chose d'automatique et qu'on ne peut pas gérer. Donc voilà, dans mon cas, ça, c'est pas très intéressant. Ensuite, changement d'adresse. C'est dans le cas où je voudrais changer l'URL de mon site internet. Et paramètres, dans les paramètres, je vais pouvoir changer la vitesse d'exploration, la vitesse à laquelle le robot d'indexation Google va venir sur mes pages. Voilà. Et le domaine favori, pour indiquer à Google quel domaine je préfère qu'il indique dans les résultats de recherche. Si c'est le domaine www.postal-code.fr ou directement postal-code.fr. Donc si on veut pouvoir faire ce choix, il faut indiquer au tout début, dans les sites que l'on possède, les deux sites, parce que par défaut, comme le sous-domaine est différent, eh bien Google considère que c'est un site différent.
Donc il faut que j'indique les deux domaines et que je valide l'appartenance pour ces deux domaines-là. Ensuite, dans la section Votre site sur le web, je vais avoir accès aux requêtes de recherche. Donc toutes les personnes qui ont accédé à postal-code.fr en passant par Google. Donc on va retrouver les termes qu'ils ont recherchés ici, avec le nombre d'impressions, le nombre de clics, etc. Donc bien sûr, là, si on veut avoir des statistiques plus poussées sur les consultations, sur les visiteurs, sur leur position géographique, etc., bah, il faudra à ce moment-là prendre un outil dédié aux statistiques, par exemple Google Analytics, qui là aussi est gratuit. Et à chaque fois là, dans cette page, qu'on va cliquer sur un de ces termes recherchés, eh bien on va voir la position dans les résultats, donc la position de notre site sur le thème recherché. Donc là, mon site pour la recherche code postal Calvados est, d'après ce qui est indiqué ici, entre le 6e et le 10e résultat. Voilà, donc ça permet de suivre. Donc là encore, il me manque des informations. En tout, j'ai 149 requêtes d'enregistrer, et bah, ça permet de trouver des tendances et les termes les plus les termes recherchés qui ont amené le plus de visiteurs sur notre site internet. Ensuite, lien vers votre site, ça va indiquer les sites internet qui font un lien vers postal-code.fr. Donc dans mon cas, bah, j'en ai deux. J'ai 365-jour.fr, donc mon site, et Twitter. Et donc là, je peux télécharger le tableau pour avoir le détail des liens, le détail de pour savoir quelle page exactement sur 365-jour.fr mène jusqu'à postal-code.fr, etc. Ensuite, bah, les mots-clés, c'est les mots principaux qu'on va retrouver sur les pages de postal-code.fr, donc selon leur importance, et c'est normal que code et postal soient les deux mots-clés principaux du site, donc tant mieux. Ensuite, lien interne, donc ça, ce sont les pages les plus linkées du site, donc qui auront le plus de pages qui pointeront vers elles. Donc là, ce que je comprends pas trop, c'est que l'URL de départ postal-code.fr, donc la page de base, a moins de liens que la page à propos et la page contact. Mais là encore, je pense que ça manque, les statistiques ne sont pas à jour, puisque avec le nombre d'URL enregistrés par Google, normalement le nombre de liens vers la page à propos devrait être beaucoup plus que 9. Ensuite, statistiques sur les abonnés, bah, ça c'est pour le flux RSS, il n'y en a pas sur le site postal-code.fr. Et ensuite, diagnostic, ça va indiquer si Google détecte des logiciels malveillants, des erreurs d'exploration. Donc moi j'ai eu une erreur 403 le 25 janvier. C'est normal parce que c'était l'époque où j'avais pas encore autorisé l'accès au site. Quand j'étais en plein développement, j'avais restreint l'accès. Voilà, donc là on a accès aux erreurs d'exploration, aux statistiques sur l'exploration. Donc là on va avoir trois schémas qui vont nous indiquer les statistiques sur les trois derniers mois, donc sur les pages explorées, sur les kilooctets téléchargés, etc. Ensuite, analyser comme Googlebot, on va pouvoir tester nos pages pour voir si elles sont correctement développées et quelles informations vont être extraites par le robot Google. Et ensuite, suggestions HTML, et bien ce sont les suggestions que nous fait le Google pour améliorer notre indexation. Par exemple, ici je vois que j'ai trois suggestions, que j'ai ici la suggestion de retirer une description en double. Donc quand je clique dessus, je vais avoir plus d'informations. Voilà. Les pages à propos et contact ont la même description, la même description dans la balise méta. Donc il va falloir que je répare ça pour avoir une description unique pour chaque page du site internet.
Et ensuite, Labo, bah, ça nous permet de tester les performances du site. Donc pour ça, il faut installer un plugin. Et les sitemaps pour vidéo, c'est quelque chose que je connaissais pas, mais c'est le même principe que les sitemaps, mais spécialement pour les vidéos. Donc voilà pour la petite présentation pour les outils pour les webmasters de Google. C'est un outil pratique quand on veut indexer rapidement son site sur Google et avoir accès à des statistiques principalement sur l'indexation. Ensuite, si on veut avoir des statistiques plus précises sur les visiteurs, eh bien là il faudra encore se tourner sur une solution dédiée comme Google Analytics, mais il y en a d'autres. Et donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt.